$15. $15, ça et ça? $15. Oh my God. Comment c'est bon? Méditerranéen, voilà. Mmh. On prend des frites à la truffe, elles sont très bonnes. Oh, c'est une tchatchata. Oh, merci beaucoup. Oh, c'est cute. Fini le travail et là je vais à une soirée pour une marque, la marque du groupe Dynamite, le groupe Dynamite, la marque Dynamite, au nouveau centre commercial qui s'appelle Royal Mount, je crois, donc avec InstaMoFace qui m'a invitée pour aller avec elle. On a rendez-vous, je crois que c'était entre 18h et 21h, je sais plus, mais bon, là du coup elle va me rejoindre. Au métro, puis on va y aller en métro, c'est sur la ligne Orange. Je voulais en profiter aussi pour dire merci à tout le monde, à tous ceux qui s'abonnent, à tous les nouveaux abonnés. On a atteint les 15 000 abonnés. Ça fait trop plaisir, franchement vous êtes adorables. Merci beaucoup. Tous ceux qui regardent et qui s'abonnent pas, abonnez-vous. Prochain step, les 20 000 abonnés si on peut. En tout cas, ça fait plaisir de voir que ça augmente, de voir qu'on reçoit des gentils commentaires et ça encourage finalement à partager plus parce que je me dis ok, bon bah ça vous plaît et moi ça m'encourage à continuer. Donc abonnez-vous. Look de soirée très simple. J'ai mis mon blazer The Frankie Shop, t-shirt Aritzia, jean The Frankie Shop. Là, j'ai mis des petites ballerines avec des pansements et puis les papiers de pansement par terre là. Mais je vais changer dès que j'arrive pour mettre mes petites chaussures de Zara. Et puis en accessoire, en boucle dorée, j'ai mis mes nouvelles petites Dior Vintage. Elles sont trop belles. Et puis les bagues 20 Compass, une boutique indépendante à New York. Et voilà. Et puis j'ai mis mon sac vintage Gucci from Japan. Escorté. Mmh.
la boutique Mango. Rendez-vous avec mon client pour parler des produits, des lancements d'offres, des campagnes marketing, etc. Ça a duré toute la matinée, puis après je suis rentrée, j'ai travaillé et puis là je vais aller faire les courses. Je me suis changée entre temps, mais il fait bon là dehors, donc je pense que je vais pas mettre le blazer. Hier, la soirée dynamite, c'était vraiment cool là. Après, bon, je suis pas très à l'aise moi pour ce genre d'exercice de base. Je suis pas à l'aise quand, je vous l'ai déjà dit, hein, quand je suis censée être dans un groupe et qu'il faut s'imposer, faut imposer quoi dire, etc. Souvent, la plupart du temps, quand je parle et que je veux donner mon avis sur un sujet, les gens n'écoutent pas, ils changent de sujet. Bah là, ça m'est arrivé d'ailleurs ce matin. On parle et tout d'un truc et je me dis, ah bah tiens, moi aussi je vais partager une petite anecdote et tout. Et je commence et les gens, au bout de 10 secondes, ben ils changent de sujet. Ils changent de sujet, ils parlent d'autre chose. Mais c'est trop gênant. Oh, comment c'est trop gênant. Je sais pas, peut-être parce que j'ai une voix qui porte pas suffisamment, parce que je parle un petit peu bas et assez smooth. Du coup, moi, je m'impose pas, en fait. Par contre, au travail, quand c'est un sujet professionnel, carré et tout, là, je suis carrée, je suis très directive, ça, y a pas de sujet. Mais quand c'est des sujets de vie, où tu dois parler de ton expérience, des sujets personnels, où tu dois discuter avec des gens, là, moi, j'ai beaucoup de mal. Et puis, j'ai l'impression à chaque fois que les gens m'écoutent pas. Donc, bah, du coup, après, j'arrête de parler. Allez, let's go aux courses.
J'en ai eu pour 158 $. Du coup, je pense que c'est pour 10 jours, entre 10 et 2 semaines. Beau chemin, je suis dans le building de ma pote là. Oh là là, on voit pas bien, c'est trop beau. Faudrait que je revienne en journée. C'est la passerelle là, il y a plein de petits espaces fauteuils comme ça, enfin, ouais, des espaces détente comme ça là. C'est trop beau.